Sing for You de Tracy Chapman. Je vais essayer de vous montrer comment la jouer. Donc c'est parti. Donc on va placer les doigts comme si on faisait un Do majeur. Et on va jouer donc troisième case de la deuxième corde. Troisième case de la cinquième corde, sachant que je vais partir du bas pour compter les cordes, c'est-à-dire mi aigu, ça va être la première corde. Donc alors, je recommence, position de Do. On va jouer la troisième case donc de la cinquième corde, la troisième corde à vide, la première case de la deuxième corde. On va revenir sur la troisième corde à vide. On va mettre le petit doigt sur la troisième case de la deuxième corde. Et donc ça va faire ce petit truc. Après, on va venir jouer la troisième corde à vide, la première corde à vide, la troisième corde à vide. Là, on va faire un pull-off sur la troisième case avec le petit doigt. Et on va relâcher donc ça deux sections, ça a donné. Après, on va revenir jouer la cinquième corde, la troisième case de la cinquième corde. Et là, on va faire un hammer de la première case à la troisième case sur la deuxième corde. Et on va jouer la première corde à vide. Donc, je refais tout l'ensemble. Après, on va rejouer la troisième case de la cinquième corde et la première case de la deuxième corde. Donc je refais ça, c'est sur l'accord du Do donc. Et donc je refais toute cette partie. Après, on va passer sur un sol. Et donc là, on va juste mettre le deuxième doigt sur la troisième case de la sixième corde, la corde de mi grave, et le troisième doigt sur la troisième case de la deuxième corde. Et on va jouer donc sixième corde, troisième case, troisième corde à vide, deuxième corde, troisième case. On revient sur la troisième corde à vide. On va venir jouer la corde de mi aigu. On rejoue la troisième corde à vide. Et c'est là peut-être le plus difficile de cette chanson. On va venir mettre le petit doigt sur la troisième case. On va rejouer la troisième corde à vide. Et là, on va le mettre sur la cinquième case. On va revenir sur la troisième corde à vide. Pardon. Et donc ça va donner, je refais ce petit bout. Donc après, une fois qu'on a fait donc troisième corde à vide, on met le petit doigt sur la troisième case, troisième corde à vide sur la cinquième case. Après, on va revenir jouer la troisième corde à vide et la première corde à vide. Et là, on va de suite remettre le petit doigt sur la troisième case, rejouer de nouveau la troisième corde à vide et revenir encore une fois sur la cinquième case. Et là, on rejoue troisième corde et première corde à vide. Donc je refais toute cette partie sur un sol donc ouais. Et donc ça va faire ça. Pardon, je recommence. Je refais une fois. Sur un La mineur, et donc on va jouer cinquième corde à vide, troisième corde, deuxième case, deuxième corde, première case. On revient sur la troisième corde, deuxième case.
va venir mettre le petit doigt sur la troisième case de la deuxième corde. Donc ça fait. Après, on va revenir jouer la deuxième case, la troisième corde. La première corde à vide. La troisième case. La troisième corde, pardon, deuxième case. Troisième case de la première corde avec le petit doigt. Et on va rejouer cette corde à vide. Donc ça va donner. Une deuxième fois. Après on va jouer la. On va rejouer la cinquième corde à vide. Et on va refaire un hammer on de la première case sur la troisième, sur la deuxième corde. Avec le petit doigt. Et rejouer la dernière corde à vide. Et après le hammer, on refait. Donc je vais tout rejouer du début. Ce sera plus simple. Donc ça fait. Là, on va rejouer la cinquième corde à vide et la deuxième corde première case et on va passer sur un fa qu'on va jouer en mettant avant de passer sur le fa je vais refaire une fois en entier le passage sur le la mineur donc c'est et donc pour le fa on va juste mettre premier doigt sur la première case de la deuxième corde deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde et le petit doigt et le troisième doigt sur la troisième case des cordes 4 et 5 et on va jouer donc cinquième corde troisième case quatrième corde troisième case deuxième case troisième corde première case deuxième corde et on remonte donc deuxième corde troisième corde pardon deuxième case et troisième case troisième quatrième corde. On va y arriver. Donc je recommence. Troisième case, cinquième corde. Troisième case, quatrième corde. Deuxième case, troisième corde. Première case, deuxième corde. Deuxième case, troisième corde. Et troisième case, quatrième corde. On va repasser sur le sol juste en mettant le deuxième doigt sur la troisième case et le troisième de la première corde et le troisième doigt sur la troisième case de la deuxième corde et on va jouer la corde mi grave et on va jouer les quatre dernières cordes après sachant que ça va faire comme ça. Juste à partir du la mineur. Et là, on repart du début. Voilà, c'était un peu laborieux, mais je pense que bon, en mettant pause, retour et tout ça, vous y arriverez. Allez, ciao, à plus.